Bonjour, aujourd'hui on est dans le parc d'Audi Sud. On est avec deux classes de 5e du collège Henri Guillaumet, la classe 5e 1 et 5e 2, qui ont un projet toute cette année autour des arbres. Et aujourd'hui, c'est une étape importante puisque c'est la réalisation d'un bosquet qui se trouve entre le lac d'Audi Sud et puis la petite colline avec la table d'orientation. Et les élèves ici donc vont planter toute une série d'arbres adaptés au changement climatique. Et donc ils se sont investis depuis ce matin pour creuser les trous, planter les arbres et puis les protéger. On creuse suffisamment pour les racines, on pose l'arbre, on met du terreau, on remet de la terre et on pose un carré de mousse et on recouvre de bois. On met des tuteurs pour que l'arbre reste stable. Ces plantations ont un double objectif, environnemental bien sûr, mais aussi social, car planter des arbres tout petits, c'est s'assurer de les voir grandir, et c'est aussi un très bon moyen pour eux de s'approprier leur territoire sur la durée. C'est leur cadre de vie, on est juste à côté du collège, ils viennent ici en EPS, ils viennent ici à d'autres moments dans l'année avec leur famille. Et finalement, c'est un moyen pour eux d'être fiers d'eux et d'être fiers de ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous allons planter une centaine d'arbres. Je pense qu'on sera fiers un peu d'avoir planté des arbres. On aura des souvenirs de notre vie au collège. Autre quartier, autre projet, mais avec toujours autant de ferveur, celui des petits élèves de l'école primaire Aérogare et la réalisation de cette micro-forêt. Au final, à Blagnac, en un an, ce sont près de 1700 arbres qui auront été plantés.